aurait pu prévoir cela il y a quelques années. C'est une belle aventure. Donc si cette épopée de la construction de la maison du blues a pu se réaliser, c'est grâce à plusieurs facteurs. C'est un peu comme les planètes qui font qu'ils s'alignent. Et là, il faut quand même lui rendre hommage, c'est Maya. Ah, bravo. Elle est venue à l'inauguration du club, elle est venue me voir en disant « Est-ce que je pourrais vous aider ?» J'ai dit « Ah, bien lui qui veut nous aider, on va voir. » Elle est là tous les week-ends. Un public local, un public régional et national qui vient aussi maintenant. Sur un total d'un peu plus de 100 000 euros de mémoire. Alors je suis afro-descendante de personnes réduites en esclavage, donc ça me tient à cœur de raconter leur histoire, surtout pour qu'on n'oublie pas l'histoire. Un petit mot. Vous êtes content? Allez. Ah oui. Et la 76.